à tous et toutes. Un gros merci d'être présente à cet événement hors du commun, le Festival La Ruelle vers l'or, dont c'est la première édition cette année, la première édition sous le thème « Sors ton clown ». Alors, Jeannot et moi sommes très contents de vous accueillir, très fébrile aussi. Je pense que c'est comme énervant. En même temps, on est dans la joie, on est un peu dans le stress. Tu sais, c'est un accouchement. Puis, je vais laisser Jeannot expliquer la naissance ou plutôt la conception de ce bébé pour lui, parce que la ruelle vers l'or, c'est une idée qu'il a depuis longtemps. Fait que je te laisse faire ce petit laïus là, OK? Ben, ça a commencé il y a 24 ans, parce que... il y a 24 ans, j'ai présenté un projet à la ville de Saint-Hyacinthe, la dernière édition, qui était le 21 décembre 2000, qui était L'Art sauve le monde. Chacun est un héros, chacun est une star. Puis, ben c'est ça. Puis, ce projet-là, ben c'était un projet où ce que l'art était mis de l'avant sur toutes ses formes. Puis, c'est un peu la ruelle vers l'art, mais aussi la galerie, le 1855. J'en dirai pas plus. Pour ce qui est des activités aussi au quotidien, suivez bien notre page Facebook et Instagram parce que au jour le jour, nous allons vraiment détailler chacune des activités et bien sûr en amont et en aval. Donc, ça va vous permettre d'avoir une idée de ce qui se passe. Il y aura aussi des ateliers de jonglerie. Donc, la jonglerie qui est un art de rue qui n'est pas simple et pas si facile, mais là, vous aurez la chance de vous familiariser avec la jonglerie. On s'en va sur la cascade et on fait une belle parade de clowns et on distribue, on a commandé 600 nids de clowns, on va distribuer 600 nids de clowns aux gens sur la rue Cascade. C'est la parade de clowns, mais c'est un manifeste du bonheur qu'on fait. Ouais. Il va y avoir des ateliers de fabrication. On va se fabriquer des petites affiches là, où ce que ça va être marqué, toutes sortes de choses qui ont rapport au bonheur. Quelle que soit l'époque, le contexte, on a vraiment besoin de cultiver cet art. Tout à l'heure, je vous lirai un petit extrait de notre manifeste du bonheur, mais ça fait vraiment partie de la démarche. C'est-à-dire, tu sais, comme la légèreté, la joie, l'inclusion, la communauté, la solidarité, l'acceptation des différences, tout ça, ça fait partie du bonheur. Et c'est un art de tous les jours. Hein? C'est vraiment une pratique incessante. Et dans la programmation, on a des activités qui relatent ou qui reflètent ce choix-là du bonheur, mais aussi, vraiment, c'est pour toute la famille. Fait qu'à toutes les activités, tout le monde est bienvenu. Oui. T'es d'accord? Oh oui! Vraiment, toute la famille. Et puis, ça va se passer ici et dans la ruelle. Et sur la cascade. Et sur la cascade, parce que c'est pendant la vente trottoir, qui est aussi une super initiative de la ville de Saint-Hyacinthe. Fait que l'achalandage naturel qu'il y aura, nous, ce qu'on veut, c'est qu'on s'entraide avec ça, en ce sens qu'il y a un achalandage, il va y avoir du monde, on va aller en chercher. Fait que vraiment, c'est un partenariat sur toute la ligne. Fait que pour la programmation, je te laisserai... Je vais parler des décors. Oui, on a vas-y. Impact Production qui va nous faire en sorte que la ruelle va être décorée. Vraiment, ça va être féerique. Toute la ruelle, il va y avoir des chapiteaux de toutes sortes de couleurs. Des jaunes, des verts, des rouges. En tout cas, il va y avoir plusieurs chapiteaux de couleurs dans la ruelle. Il va en avoir sur la cascade aussi. Mm-hmm. C'est que ça, c'est Impact qui va faire en sorte de nous aider à décorer. En plus, on a les abat-jours qui sont en haut, qui ont été peintes par les artistes, qui vont faire partie du décor. On a les lumières, les bulbes, qui vont faire partie d'une guirlande de lumières qui ont été peintes aussi, qui va décorer la ruelle. Et puis, il y a plein d'autres choses qui vont se rajouter dans le décor au fur et à mesure. L'entrée qui est sur Hôtel-Dieu va avoir l'air des rideaux de théâtre pour accueillir. Ouais. Pour accueillir. On va laisser le côté Saint-Joseph libre pour notre partenaire des trouvailles de la ville de Claire pour qu'il puisse travailler et continuer à fonctionner. Mais les trouvailles, eux, font en sorte... Pourquoi ils sont notre partenaire? Parce qu'ils nous fournissent des vêtements, des trucs qui vont servir à décorer la ruelle, mais aussi à nous habiller le 13 juillet pour faire en sorte qu'on se déguise tous en clown. Vous pouvez venir déguiser en clown ou... Venez vous déguiser avec nous. On va avoir des gens qui vont vous maquiller. On a Émilie puis Mélanie. Mélanie, c'est ça, qui vont vous maquiller si vous avez besoin.
quand vous allez rentrer dans la ruelle, vous êtes à la fois le créateur de votre spectacle, de votre vie, puis c'est ça qu'on ne veut pas oublier non plus. Fait que le clown, c'est cette liberté-là intérieure qu'on a. C'est pas nécessairement d'être déguisé, mais c'est cette liberté en nous qui fait qu'il n'y a pas de gêne, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de crainte. Fait que c'est vraiment là où on veut habiter cet été, puis vous inviter à être. L'important, l'art est très important. Parce que moi, l'art, pour moi, c'est ce qui me permet de vivre, de survivre à certaines époques. Parce que j'étais en plus en survie. Fait que l'art a fait en sorte que j'ai pu passer à travers de bien des épreuves. J'étais assis sur un bloc de ciment au coin de Saint-Denis, puis Cascade, en avant du marché, avant que la bâtisse se construise. C'était un terrain vacant. Fait que je passais mes journées à créer, puis en même temps à méditer. Fait que l'art est un beau médium pour faire en sorte de nous faire du bien. Ah, bien ça, c'est une idée qui, disons que Jeannot a cogité, maturé pendant plusieurs années. Ça date, en fait, de la galerie, parce que c'était il y a une vingtaine d'années et plus qu'il y avait cette idée-là. Fait que c'était un appendice de son idée, la ruelle vers l'art. C'est-à-dire, il y avait la galerie, puis en plus d'agrandir la mission de l'inclusion, de rendre l'art accessible à tout le monde, de créer de l'insertion sociale aussi et tout. Donc, ça naît de ça, c'est d'étendre, d'être un pôle pour autant les touristes que les mascoutins, de créer et d'avoir l'achalandage naturel, mais aussi d'offrir vraiment une ouverture à tout le monde sur eux-mêmes et sur Saint-Hyacinthe et tout ce qu'elle implique comme découverte, là, tu sais. Puis peut-être que vous pourriez venir nous aider aussi, fait qu'on vous invite aussi, si vous voulez venir faire du bénévolat, juste à nous communiquer avec nous autres. Fait que vous êtes les bienvenus. Oui, parce que c'est une trentaine de bénévoles par jour que l'événement suscite. Donc, on doit vraiment faire l'horaire en fonction de ça. Fait que tout le monde est bienvenu. Ouais. Puis, puis c'est même, important de souligner le rapport. Le fait d'être bénévole, excuse-moi mon amour, d'être bénévole, bien, on a une journée, c'est Colorado qui nous offre les boîtes les à lunch. Les repas, exactement. Fait que toute une journée, puis là, il y a plein d'autres surprises concernant la bouffe pour les bénévoles qui vont être à l'événement, mais en primeur, Colorado va nous servir des boîtes à lunch concoctées par eux-mêmes. Fait que, merci infiniment. Oui, merci on a, ah, puis on a une journée bleding. Ah, le manifeste, oui, OK, ce sera pas... Moi, je voulais vous lire le manifeste, un extrait, hein? J'ai un extrait du manifeste du bonheur. C'est inspiré du plaidoyer du bonheur de Mathieu Ricard et de nos réflexions ensemble et à deux et avec tout le monde. Donc, nous déclarons que le bonheur est un droit fondamental, un choix, une pratique et un art de vivre. Il n'est pas un privilège accordé à quelques-uns et nécessitant des conditions particulières. Embrasser le bonheur, c'est vivre le moment présent et abandonner les inquiétudes concernant le passé afin de construire un futur pour et par les êtres humains créatifs et bienveillants. Les ingrédients du bonheur sont la gratitude, les petites joies du quotidien, un souci de soi et de l'autre, une conscience du rôle unique de chacun, le goût d'apprendre et de s'ouvrir aux différences. Cultiver le bonheur, c'est entretenir des liens significatifs, prendre soin de son physique et de son mental. Et la pratique du bonheur implique l'autocompassion, la gentillesse, la compréhension, la bienveillance. Le bonheur est un voyage et non pas une destination. Et je vous trouverai le manifeste sur le bureau à l'entrée, si vous voulez en prendre un. Et pour finir avec les mots de Pierre Rabhi, qui est un philosophe agriculteur qui nous a quittés en 2021, mais qui était très, je dirais, humaniste. Il nous faudra répondre à notre véritable nature, qui n'est pas de produire et de consommer jusqu'à la fin de nos vies, mais d'aimer, d'admirer et de prendre soin de la vie sous toutes ses formes. La culture, c'est comme un peu l'air qu'on respire. On ne se rend pas compte comment c'est essentiel. Mais si on enlève la musique, si on enlève tous les mots qu'on lit chaque jour, que ce soit dans le journal, les livres, les vêtements, la décoration extérieure des villes, des maisons, la radio, la télé, on pense que c'est un luxe, mais non, tout le monde en a besoin parce que soit on s'y reconnaît, soit on se découvre, soit on s'exprime. Fait que puis c'est vrai, ça amène du monde, puis ça fait bénéficier à tout le monde aussi. Fait que c'est vraiment vrai là, la culture, c'est
c'est l'air dont notre cœur a besoin. C'est comme pour le cœur, comme l'air à nos poumons, tu sais. Cette émission d'accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.